Fédéral suisse de 1291. Au nom du Seigneur, Amen. C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leur vie et leur bien, les gens de la vallée d'Uri, la Landsgemeinde de la vallée de Schwyz et celle des gens de la vallée inférieure d'Unterwald, se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quel secours, appui et assistance de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leur vie ni leur bien, dans leur vallée et au-dehors,
contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leur personne ou à leur bien, ou à un seul d'entre eux, les attaqueraient ou leur causeraient quelques dommages. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis. C'est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d'observer en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le texte de l'ancien pacte corroboré par un serment, sous réserve que chacun, selon sa condition personnelle, reste soumis, comme il convient, à son seigneur et lui rendre les prestations auxquelles il est tenu. De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans l'édit de Valais un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent, soit à quelque autre prix, ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés. Si d'autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateur pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace. Et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence. Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui qui, criminellement et sans provocation, commettra un meurtre sera, si on a pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l'exige, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il est innocent. Et s'il réussit à s'échapper, il lui a jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient des abris ou protections aux audits malfaiteurs doivent être expulsés des Valais, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément rappelés par les confédérés. Si quelqu'un, de jour ou dans le silence de la nuit, met criminellement le feu au bien d'un confédéré, on ne doit plus jamais le considérer comme membre d'une de nos communautés. Et celui qui, dans nos Valais, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait devra indemniser la victime. De plus, si l'un des confédérés en dépouille un autre de ses biens ou lui cause n'importe quel autre dommage, les biens du coupable que l'on pourra saisir dans les Valais doivent être mis sous séquestre pour dédommager la victime conformément au droit. En outre, nul n'a le droit de saisir envers un autre confédéré, à moins que celui-ci ne soit notoirement son débiteur ou ne se soit porté caution envers lui. Et il ne doit le faire qu'en vertu d'un prononcé spécial du juge. Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit, s'il est besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée. Et si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu et que l'un des confédérés subisse quelques dommages du fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant. Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l'un des partis se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre parti. Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité, en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des trois communautés et vallées susdites. Fait en l'an du Seigneur 1291 au début du mois d'août. Thank you.